Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies du mois de mai 2021. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous avec deux petites cartes de l'oracle des miroirs. Et puis après, on passera sur la table. Alors, en tout cas, j'espère que vous passerez un agréable mois de mai, que vous allez pouvoir, comme tout le monde, ressortir, souffler. C'est vrai. Alors, pour vous les lions, on a la distance et on a le voyage. Ouh, ça fait beaucoup, hein. Beaucoup de prise de hauteur, beaucoup d'allègement, de soulagement. C'est soit positif dans le sens où vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez souffler, vous retrouver, vous déconnecter de certaines choses. Et ça, c'est plutôt bien quand c'est nécessaire, quand vous avez trop encaissé, trop... voilà. Pour d'autres personnes, il y aura ici une autre signification, c'est de devoir attendre, de devoir prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. C'est peut-être en rapport avec une personne, c'est peut-être en rapport avec un projet, quoi qu'il en soit, c'est une situation qui doit venir à vous, mais qui tarde un petit peu. Alors on va regarder de quoi il s'agit ici. Alors, les lions, dans votre tirage, moi je retrouve beaucoup de données qui peuvent nous parler de votre investissement par rapport à une situation, également bien sûr du travail, du côté matériel, mais surtout des finances. Si vous vous posez la question, que ce soit pour une maison, pour un patrimoine, pour une famille ou en émergeant, j'ai le soleil qui m'annonce une bonne nouvelle, même s'il y aura cette notion de devoir se sécuriser ou d'économiser quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé à l'esprit. Maintenant, s'il n'y a rien à voir au niveau de l'argent, c'est par rapport à la considération d'une personne où on va pouvoir y mettre de la lumière. Alors, on retrouve ici avec l'abstrait le normand, l'étoile, ce qui peut nous parler bien sûr de, d'espoir, de connexion, de sérénité, de foi, de tranquillité, d'un réseau de personnes également si vous êtes en lien avec l'administratif. Et on retrouve également l'énergie de la femme qui, bien sûr, peut être en rapport avec une femme de la famille, une femme de votre entourage, peut-être votre amoureuse, ou si c'est vous qui êtes la femme. S'il est question ici de travailler et de retrouver votre sérénité, c'est un grand oui. Et je pense que vous allez vouloir justement vous sécuriser, vous protéger de quelque chose. Alors quand je dis protéger de quelque chose, ce ne sont pas des mauvaises énergies, etc. C'est pas ça. C'est plutôt que vous allez recevoir quelque chose, voilà, vous allez vivre quelque chose qui va vous satisfaire et vous allez vous dire « j'ai un petit peu sué, j'ai un petit peu trop travaillé pour l'avoir et maintenant tranquille ». Voilà, ce besoin de garder cette tranquillité. D'ailleurs, on la trouve ici avec l'énergie de la femme sur cette notion de douceur. Alors, ce qui fait plaisir, c'est que... Alors, il y aura des choses à travailler, bien sûr, mais il y a également des choses positives. C'est qu'émotionnellement, vous pouvez vous appuyer sur votre stabilité, une certaine force, finalement. Votre expérience, votre façon de faire, votre organisation, votre façon de poser les choses pour pouvoir, ici, vous projeter, que ce soit sur des projets, vous projeter simplement dans un futur de manière plus concrète, plus solide. Le mot qui me vient pour vous, c'est solidité, les lions, parce que ça va vous pousser également à vous organiser, à réagir d'une autre manière. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, un nouveau cycle, que ce soit de vous-même, avec vous-même, ou vos projets, ou par rapport à une personne. Il y a bien, parce que je ne sais pas ici pour l'instant quelle situation il s'agit, mais il sera question de s'organiser, de comprendre, d'avoir des idées. Et vous pouvez justement vous appuyer sur une certaine solidité pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir des portes. On voit que dans la sphère familiale, on a l'étoile. L'étoile, c'est comme je vous ai dit, un réseau de personnes. C'est la confiance, c'est l'espoir, c'est également l'envie que les choses se passent bien, vos aspirations, donc en termes de projet, quels qu'ils soient financiers, ou cette notion d'administratif qui ressort. Il y a quelque chose qui se décante, ok, mais il y a un équilibre, il y a quelque chose qui va être ajusté. Je prends un exemple, vous attendiez une réponse, vous allez recevoir cette réponse. Mais vous serez OK dans le fait qu'il y aura encore des choses à régler. Donc ici, cette carte-là, moi, je l'aime bien, elle nous parle d'équilibre. Et cet équilibre, quand on veut plus, parfois, il fait un petit peu suer. On veut plus, on attend. Donc s'il est question de projet, les choses se font à leur rythme. Familialement, au niveau du patrimoine, peut-être sur cette notion d'argent, d'héritage, de remboursement, peu importe. On a l'espoir. On a l'étoile qui nous parle d'une progression. Donc, tout ce qui est en lien avec les finances,
On voit qu'il y a des démarches pour moi et on voit qu'il y a du résultat, de la réussite. Mais peut-être que ce n'est pas assez par rapport à vos souhaits. Peut-être que vous auriez voulu plus. Je prends l'exemple, cette maison, finalement, vous voulez l'acheter moins cher, ben non, elle sera à tel prix, point barre. Vous vouliez vendre au prix, ben non, ça sera en dessous. Vous voyez, il y a l'idée de quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui est tout de même acceptable. Ces deux cartes-là me font penser également sur un rapport relationnel par rapport à la famille, où les choses vont pouvoir être plus douces, parce que la sérénité ici nous ramène à un climat plus tranquille, comme un vent de légèreté, de fluidité, quelque chose qui s'apaise, comme s'il y avait le calme après la tempête, comme s'il y avait également cette notion de pouvoir souffler, de pouvoir se recentrer, se dire c'est bon, il y a quelque chose qui est passé par rapport à vos attentes, par rapport à ce dont vous souhaitiez, il y a un équilibre dans les échanges. Vous ne donnez pas plus de ce que vous recevez parce que c'est comme ça. C'est bizarre à dire parce que si vous dites « bah oui, mais comment on fait par rapport aux enfants ?» Mais peut-être que vous pouvez donner ce que vous pouvez, mais pas plus parce que vous travaillez, parce que ceci, parce que cela. Il y a un équilibre, quel qu'il soit, que ce soit sur vos amours, la famille, ici, ou même par rapport aux enfants, qui est dans l'équilibre. Moi, ça me parle ici d'harmonie, en fait, qui est retrouvée. Alors, on va approfondir justement avec le petit Lenormand. On a l'enfant. Vous voyez, je parlais d'enfant, ben, ça ressort. L'enfant, il nous parle également de projets. Il nous parle également de renouveau, peut-être dans une famille, dans des démarches, dans une relation ici, par rapport à la famille. On a l'ouverture, ok. On a l'ouverture d'esprit, ça me parle de ça. C'est également le jardin qui nous parle d'un organisme. C'est également une carte de l'entourage. Il y a une prise d'hauteur, hein, une prise d'hauteur pour voir les choses différemment. La prise d'hauteur, on la voit ici avec, avec cette notion de voyage, prendre de la hauteur, de s'échapper, de respirer un petit peu. Chacun le vivra à sa façon. Mais il y a bien quelque chose qui est pour moi ajusté. Vous vous souvenez au tout début du jeu, je vous ai dit, certains lions vont vivre les choses positivement. Prendre de la hauteur, soulagement, se détacher, se déconnecter, se ressourcer. Et d'autres, ça sera être en attente de quelque chose. Et avoir cette invitation à prendre un petit peu le large pour laisser faire les choses. Donc finalement, c'est lié. Les deux sont liés. Voilà, voilà le message que je reçois pour vous. Et ça me fait référence ici à cette carte-là, en additionnant l'autre hein, par rapport aux valeurs, où on a la tour. La tour du petit Lenormand, c'est on monte les escaliers de cette tour, on regarde par la fenêtre, on regarde ce qu'il y a au loin, et on se rend compte que ce n'est pas la même optique, ce n'est pas la même vision. Donc on vous demande justement ici que par rapport au projet, en famille ou une maison, par rapport au lien, il y a quelque chose qui se dégage de différent. De différent, ok, mais de positif. Parce que moi, ça me parle quand même de soulagement. On a eu deux fois l'étoile hein, pour l'instant. Que ce soit administratif ici, avec le livre, ou simplement sur une situation, ça va vous pousser à étudier la situation pour pouvoir temporiser, pour pouvoir équilibrer. Donc, il y a un réajustement qui va être fait sur le domaine familial. Si j'additionne les trois, on va avoir ici 30, qui nous parle du Lys, hein, dans le petit Lenormand. Le Lys, ce sont les personnes assermentées, c'est une période de l'hiver, c'est également des personnes âgées, il peut y avoir quelque chose par rapport à cela. C'est pas nous qui décidons, mais des fois c'est les enfants qui décident, des fois c'est les parents eux-mêmes, peut-être d'aller en maison de retraite, d'aller en EHPAD, enfin peu importe, il y a quelque chose de ce style-là. Il peut y avoir également l'idée de vouloir procréer, de se dire est-ce que c'est le bon moment, voilà, on se sent peut-être prêt tout en se laissant le temps de faire les choses tranquillement. Et puis voilà. Alors, sur le domaine. Sur le domaine, j'espère que vous suivez, je sais que je parle beaucoup, que je peux partir parfois dans tous les sens, mais je reçois des messages. Et je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais d'avoir plusieurs pensées en même temps. Donc souvent j'en ai trois, parfois j'en ai quatre, surtout avec les cartes j'en ai beaucoup. Et c'est dur alors je fais une petite parenthèse, hein, d'être organisée parce que cette idée-là doit se dire peut-être avant l'autre. Et parfois je dis un petit peu tout en même temps finalement. Mais bon, je vous remercie de votre fidélité et de votre engagement sur ma chaîne. Et je vous invite justement à vous abonner, liker, partager. Donc voilà, merci de me suivre, merci de me comprendre, même si je suis un petit peu perchée à certains moments. Voilà, je tenais à le dire, je ne dis pas souvent. Allez, excusez-moi, on continue pour vous les lions. On a ici des imprévus dans le domaine de l'entourage. Pour certaines personnes, ça pourra parler de l'amour. Maintenant, la guidance sentimentale sera en deuxième partie de ce tirage.
Dans le cercle social, on a cette tour qui vous demande ici bah, de faire face aux changements, aux imprévus. On vous demande de vous adapter, à moins que ce soit vous simplement qui décidez de vous adapter à telle ou telle situation. Il y a une réelle adaptation de votre côté. Je pense que votre émotionnel y est pour quelque chose, puisqu'il vient vous stabiliser, il vient vous sécuriser. Pour moi, les questions ici d'aller chercher la stabilité, les lions, et surtout de la sécuriser. Sur le cercle social, on retrouve du charisme, de l'engouement, de l'entrain, du dynamisme, du rayonnement. Donc, ce que je reçois ici comme message pour vous, c'est l'idée que vous puissiez être demandé, qu'on fasse appel à vos services, à vos connaissances, pour aider une personne. À moins que ce soit vous, mais je sens plutôt que c'est l'inverse ici. Vous retrouvez une belle énergie, cette énergie eh bien, de la reine de bâton qui, elle, sait ce qu'elle fait. Il y a vraiment cette notion d'action, de mouvement, elle est là dans le concret. Donc il y a quelque chose à vivre, vraiment, hein, de très fort dans le domaine, dans le cercle social. La tour, elle peut être positive dans le sens où ben, voilà, vous avez dépassé certaines choses, vous vous adaptez, et elle peut être négative dans le sens où, ben, effectivement, on peut parler d'imprévu. Moi, je pense que vous allez vouloir aider une personne tout en ne vous oubliant pas, parce que c'est important de ne pas s'oublier aussi. Bon, je dis ça, hein. On a la clé qui vous apporte des solutions par rapport à une chère personne ici. C'est également votre intelligence, votre ruse, votre façon de faire qui sera positive et favorable dans le domaine voilà, du cercle social par rapport à une personne. Donc on voit très bien qu'il sera question d'amener des solutions avant que ce soit cette personne qui vous amène des solutions. Tout cela sera basé bien sûr par la communication. Si je parle de communication, c'est que j'ai additionné les trois valeurs de ces cartes-là. Et il y aura beaucoup d'échanges. On compte sur vous. Le message que je reçois, c'est on compte sur vous, vous êtes peut-être demandé. Alors, après, par rapport à vos activités, par rapport au domaine professionnel, parce que tout le monde ne travaille pas, on a patience. Patience sur vos projets, patience sur vos activités, patience dans votre travail. Vous restez dans votre position, vous restez peut-être concentré, vous pourriez peaufiner certaines choses, les ajuster pour que cela se passe au mieux, hein, pour retrouver un épanouissement et un bien-être. Et c'est d'ailleurs ici ce qu'on retrouve avec... avec le 9 de denier qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de bonheur, de récolter les fruits de vos efforts. Il y a une certaine gratitude et considération. Donc ici, moi, ça peut me parler de recevoir comme des validations, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des approbations, des VAE, j'espère pas me tromper, des choses, des compliments, des reconnaissances, de la reconnaissance. Ça me parle vraiment de ça, il y a une certaine satisfaction. Même dans vos projets, hein, si vous ne travaillez pas, vos activités, vous prenez plaisir. Et dans ce cas-là, ça peut vous dire que bah, vous êtes plus amené à aller vers la nature, vers tout ce qui est plus en lien avec la terre, les racines, et qui vous fait du bien. C'est pour ça qu'on a cette ancre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage hein, sur vos activités, sur votre travail. L'ancre, c'est une position fixe également. Par rapport à vos émotions, vous vous sentez vraiment en phase par rapport à ce que vous faites. Il y a également cette notion d'ouverture, d'échange. Il peut y avoir, oui, de la reconnaissance par rapport à un organisme. Et on va retrouver ici le cercueil qui, au vu de ce que j'ai au-dessus, est une carte de transition. Est une carte de transition, vraiment. J'aurais pu vous dire, le cercueil, c'est la fin. Alors, il peut... Si je vous parle de fin, je dirais juste qu'il y aura un réajustement sur certains liens au niveau du travail. Vous décidez d'évincer certains collègues, de mettre en avant d'autres collègues, c'est possible. Vous décidez de, je ne vais pas dire de faire un tri, parce que bon, sinon on a l'impression de faire un tri tout le temps dans les amis, dans les connaissances, dans les relations au travail, c'est pas ça. Mais vous réajustez une situation. Voilà ce que je ressens en tout cas avec le cercueil. Il y a quelque chose de très très profond avec le cercueil, c'est très profond. Au niveau émotionnel, on a quelque chose de beau parce que vous allez vraiment être en phase. Pour moi, ça me parle de stabilité. Alors, j'ai encore ici... Du coup, j'ai l'énergie de la femme qui nous parle de douceur, d'introspection par rapport à ce que vous faites en lien avec vos activités ou le domaine du travail. Financièrement, pour moi, ben voilà, on a des papiers, on a des démarches, on a des éclaircissements, on a également une réussite,
une victoire, un succès, il y a quelque chose qui s'éclaire, on va vers une progression. Tout ça pour dire que vous avez de bonnes finances, les projets, s'ils sont en route, on voit qu'il y a une organisation et beaucoup d'énergie, beaucoup de feu par rapport à cela. Donc vous avez actionné un levier et c'est très bien ici. Pour moi, les finances, pour vous, elles sont bonnes. Du coup, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est cette notion que les choses roulent plutôt bien. Alors, on va retrouver ici, eh bien super, hein, l'arbre hein, qui nous parle de racines, de pouvoir construire dans le temps, de stabiliser. Les finances peuvent être également en lien avec tout ce qui a été fondé, la famille, les racines, pour d'autres, un héritage. Là, s'il est question de, je sais pas, de mariage ou de divorce, ben voilà, il y a cette notion de mettre au clair une somme d'argent, vous voyez ce que je veux dire. Ça retombe ici avec le trèfle, qui nous parle également de solutions de trouver. Et c'est peut-être là les solutions que l'on trouve dans le cercle social. Il peut y avoir un lien pour certaines personnes avec les finances, simplement. Ici, ça me parle de toute façon d'un bien-être, avec ces deux cartes-là, et de se réorienter financièrement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très positif, et que par rapport à cela, vous allez pouvoir engendrer, avancer par rapport à vos projets. Si j'additionne les cartes, on a ici 25, donc ça nous parle de relationnel avec l'anneau, 25. Ça nous parle également d'un engagement, d'une signature. C'est quelque chose qui va pouvoir être réglé. Alors même si à un moment ici, un moment donné dans votre mois de mai, les lions, vous avez l'impression de vous tourner les pouces, d'être dans une lassitude, de vous dire « bon ben, ok, moi ça me parle d'équilibre ». Vous, pour moi, c'est vous recevez quelque chose de bien, mais c'est comme si ça ne vous suffisait pas. Alors financièrement, on a vu que c'était bien. On a vu également que dans le cercle social, il y avait l'idée de s'adapter. Mais c'est comme si c'était normal pour vous, un petit peu les Wonder Woman et les Superman de ce mois de mai. Voilà, il y a des grandes choses à vivre et vous êtes là en train de vous dire, voilà, c'est un petit peu normal. Voilà, en tout cas, moi, c'est comment je ressens les choses avec mes intuitions ici. Avec mes intuitions. On voit qu'à un moment donné, ce qu'il y aura à travailler et le frein du tarot, c'est cette as de bâton, hein, une forme d'inertie que l'on peut retrouver avec vous emballez pas, quoi, vous vivez pas les trucs alors qu'il y a quelque chose de très bien. Le message que je reçois, c'est que vous êtes en train d'éteindre un engouement pour quelque chose. Alors, de toute façon, ce n'est que passager. Parfois, tout va bien et on n'a pas la niaque. Je dis pas que vous êtes dépressif, loin de là, au contraire. Mais je sais pas. Vous vivez quelque chose de bien et finalement, ben, ça vous botte pas plus que ça. Alors, vous me direz si ça vous parle. C'est comme si c'était normal, en fait. Voilà. On va vous demander de vous ressourcer, de vous économiser, peut-être de faire des économies par rapport à une situation, une personne ou certains projets. Il est question ici peut-être de mettre en sécurité quelque chose, hein, c'est à vous de voir ici. Quoi qu'il en soit, on a quand même un tirage agréable où il y a des choses qui bougent. Et surtout, ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir que relationnellement, il y a vraiment un... je vais pas dire un tremblement de terre, mais cette tour, moi, je m'en méfie parce que quand elle tombe, elle peut surprendre. C'est dans le bon sens, et pour d'autres, voilà. Ça peut être dans le bon sens, hein. Moi, c'est vrai que je vois un gain d'argent. Voilà, je vous le dis. Alors, je dis pas que vous allez gagner au loto, hein, ça serait... Mais il y a un gain d'argent qui ressort. Alors, on va regarder ici le domaine de la santé, juste en trois cartes. Pour vous, les lions au mois de mai. Ça peut me parler de tout ce qui est en lien avec l'alimentation, l'estomac, l'œsophage, voilà, le tube digestif. Ça peut nous parler d'un papa avec l'ours. Ça peut nous parler d'une personne charismatique, reconnue, un grand chirurgien, un grand dentiste. Je prends l'exemple. On va avoir cette notion de gynécologie pour certaines femmes. On peut parler également de la maman. Et on va voir l'homme. Alors ici, moi, j'ai peut-être de l'action au niveau de la santé par rapport à des parents. J'ai également l'idée que vous vous mettez en action pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous turlupine depuis un moment. Et voilà, ça peut être régler un problème, ça peut être s'occuper, je sais pas, d'un grain de beauté. J'ai pas tout ça, le grain de beauté. Là, j'ai juste la gynécologie, l'action, l'homme et tout ce qui est en rapport avec la nourriture ou le papa. Voilà, donc ça serait à vous de voir, en tout cas vous vous bougez les fesses, voilà ce que je veux dire, vous bougez les fesses pour régler quelque chose au niveau de la santé.
En tout cas, psychologiquement, moi, je les vois quand même un mieux parce que la cigogne est synonyme d'allègement, de prise de hauteur. Et on se rappelle que vous avez eu ces deux cartes-là. Favorablement, certains lions vont se détacher, vont se déconnecter, vont apprendre à se déconnecter. Ça peut être la méditation, tout ce genre de choses-là, finalement. Alors, spirituellement, pour vous, les lions, ça peut nous parler également de vos projets, de vos envies, de vos aspirations. Comme je dis à chaque signe astrologique, il y a plein de choses qui ressortent. Ce n'est pas moi qui choisis, mais on va voir ce qui va ressortir pour vous sur le domaine de la spiritualité. Alors les lions spirituels au mois de mai. On a une tempête en vue. Je vous l'ai dit, il y a de l'imprévu. Oui, c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage. Il y a des choses qui bougent. Je vous ai parlé de tremblement de terre. Mais vous avez l'ange de la force. Vous avez vraiment toutes les ressources émotionnelles et dans vos aptitudes, beaucoup de stabilité pour pouvoir faire face à quelque chose, à un mouvement, qu'il soit intérieur ou en rapport avec l'extérieur. La porte vers l'amour, la porte vers votre considération, votre reconsidération pour certaines personnes qui se sont un petit peu senties délestées, rejetées, abandonnées, mais juste de même par rapport à même, parce que tout n'est pas parfait dans la vie, mais il y a des grands cycles où on peut vraiment renouer avec des parties de soi, et ça, ça fait vraiment du bien de se revaloriser. Ça me parle de valorisation ici, cher Lion. Vous allez vous regarder, vous accepter. Nous avons le troisième chakra, qui me parle de confiance, qui me parle de force vitale ici. C'est également en lien avec la nourriture. Donc moi, ça va me parler de nourriture spirituelle. C'est en lien avec le fait de vous nourrir. Vous allez pouvoir vous nourrir d'amour, vous reconsidérer, vous revaloriser, comme je le dis, pour faire face à l'anxiété. Maintenant, l'anxiété, elle est quand même à droite, voilà, de ces cartes. Et elle vient nous dire qu'à un moment donné, il peut y avoir certaines peurs. D'ailleurs, c'est marrant, la peur, on peut la ressentir dans l'estomac. L'estomac qui est ressorti au niveau de la santé. Vous voyez comment tous les tirages, tous les jeux tarot ou oracle ici sont liés. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors, c'est soit par rapport à l'amour, soit par rapport à votre valeur. Il sera question ici de reprendre confiance, de reprendre vigueur en la vie. De vous mettre à nouveau dans une dynamique, dans un mouvement. Donc, oui, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des maux d'estomac, des insomnies, parce que ce chakra-là, finalement, lorsqu'il est dysfonctionne, voilà, je cherchais le mot, il peut créer des insomnies. Maintenant, voilà, tout le monde ne sera pas touché par les insomnies, mais on va retrouver le cœur brisé par rapport à votre valorisation, peut-être à l'amour, mais le mouvement va créer la solution. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'action avec le chakra, le troisième chakra, le jaune, où finalement, si vous restez planté comme une tongue, c'est mon expression, ça va pas se faire. Vous n'allez pas reprendre du poil de la bête. Vous allez rester dans vos peurs, vous allez rester dans le fait de ruminer. Si vous vous mettez en mouvement, vous pourriez être occupé, et dans cette occupation, vous pourriez capter tout ce qui est positif autour de vous. Finalement, comme s'il y avait un levier actionné qui fait que vous reprenez goût à quelque chose, vous vous remettez en selle, vous vous remettez en route. Et on a ici le chakra de la gorge, la communication non seulement avec soi-même, il peut y avoir des choses à régler, il peut y avoir des choses à régler justement par rapport à une personne. Pour d'autres, vous êtes en lien avec la thérapie, psychologiquement ou voilà, consciemment, subconsciemment, pour vous alléger, pour prendre de la hauteur, etc. Ok, dans le tirage, moi, là, j'ai quelque chose qui vous chagrine, et vous allez vous mettre en action. Voilà, on a un message de la lumière qui tombe, vous allez vous mettre en action. Alors, sentimentalement pour vous, les lions en couple, je vais commencer par vous, et après, je ferai un tirage pour les célibataires lions, sur la seconde partie. Alors, les lions qui sont en couple pour le mois de mai, quelles vont être les énergies sentimentales des lions en couple pour le mois de mai? Tout est question de connexion, on peut parler de sexualité, c'est une carte de positionnement où vous pourriez vous sentir recentré. Pour votre couple, on a la famille, la maison, on a l'illusion,
Certaines personnes ont des choses à régler, peut-être sur l'administratif par rapport au foyer, la maison, le patrimoine. D'autres se cherchent ici une réponse. Ils sont en remise en question. Et je pense que l'oracle des miroirs va vous inviter à prendre de la hauteur et surtout prendre de la distance par rapport à ce qui est illusoire. Parce que ce n'est pas parce que vous vivez, je suis à fond, hein, une période peut-être un petit peu sombre, un petit peu floue, que c'est la fin du monde, que c'est la fin de tout. Non. Ah, voilà, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Au contraire. On va retrouver avec cela la patience qui sera de mise. Patience qui rime avec confiance pour pouvoir vous détacher de certaines choses. Il y a pu avoir pour certains des séparations, pour d'autres cette notion de distance, et d'autres favorablement cette possibilité de couper, de se détacher par rapport à quelque chose qui les chagrinait. Et je ne parle pas forcément de la personne en face de vous, mais je parle de peut-être d'un schéma, de quelque chose qui vous attristait, d'une blessure du passé, parce que dans l'oracle des énergies, on avait le cœur et le cœur brisé, un truc comme ça. Ben voilà, le cœur, la séparation, il y a pu avoir une distance, des remises en question, mais on va retrouver du mouvement, de l'action, de la séduction, de la chimie, de la sexualité, de la connexion, quelque chose qui bouge. Donc moi, j'y vois ici une situation qui vous a chagriné, peut-être sur le mois dernier, que ce soit proprement parlé dans le couple ou qui se répercutait dans la relation, et que les choses finalement vont pouvoir prendre de la hauteur parce qu'il y aura l'acceptation et l'idée de garder patience. Alors ça peut être sur un projet en commun, ça peut être sur cette notion de « ok, tout n'est pas parfait, mais on décide d'avancer ensemble, ok ». Émotionnellement, on a une porte ouverte. On a la possibilité d'aller chercher la lumière, le soleil, de se faire confiance, d'ouvrir une nouvelle ère dans la relation, une ère parsemée d'acceptation et de patience. Sur les énergies extérieures, on peut avoir des propositions hein, pour toutes les personnes triangulaires. On peut avoir également des personnes qui vous aident émotionnellement. Ça peut nous parler voilà, de la thérapie ou des amis, des personnes qui vous soutiennent, ce genre de choses-là. Ça peut nous parler d'une somme d'argent qui ressort également avec le trèfle. Et s'il y a des personnes qui se voient ici proposer une main tendue d'une autre personne, je pense que vous allez refuser. Non, je suis très bien dans mon couple, ou si tout n'est pas parfait, je décide de rester fidèle et sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez devoir travailler sur, pour moi, cette notion de regret et savoir mettre une limite à quelque chose ou à une personne. Je pense que c'est en lien avec le fait de savoir se détacher de quelque chose qui peut être illusoire. Voilà, si vous recherchez l'idéal, ben vous le savez, hein, c'est dur d'y parvenir, mais c'est très bien si, puisque un idéal sera toujours illusoire, puisqu'il n'existe pas. Ben alors il y a des personnes qui vont me dire, bah si, mais moi je suis à fond, il est trop bien, elle est trop bien. Ouais, ben écoutez, vous avez de la chance. En tout cas, c'est rare d'entendre ce genre de choses-là, mais c'est possible, hein, mais c'est rare d'entendre dire l'homme parfait existe et la femme parfaite existe. Personnellement, je n'y crois pas, parce que je ne suis pas parfaite, et le mari n'est pas parfait non plus. Alors, votre atout, c'est cette notion de sacrifice. Je pense qu'on peut l'aborder sur votre vision des choses. Cette perspective de regarder main dans la main avec votre moitié, tout en acceptant certaines choses et en vous faisant confiance. Se sacrifier également d'une proposition, hein, que ce soit sur l'amour d'une autre personne ou par rapport à une opportunité, hein, sur un projet, etc., pour le bien de la famille, pour le bien du couple, on rejette quelque chose. Allez, on va passer au lion célibataire. Et puis voilà, on va passer au lion célibataire pour le mois de mai. Les amis, la proximité, le rapprochement, et on a la foudre qui retombe ici. Alors derrière cette foudre, on a le retour du passé, le retour d'une personne, et oui, hein, on l'avait senti, le retour de quelque chose, et derrière cette amitié, nous avons la pause, le break, peut-être une relation qui pourrait revenir et vous titiller l'esprit. Alors, on va retrouver ici du mouvement. Et on va vous inviter ici justement à temporiser les choses, à les mettre carte sur table. Ouais, ça me parle d'être cash avec la personne, d'être cash avec soi-même pour ne pas être dans l'illusion et pour être authentique et sincère.
savoir ce que vous voulez, ce que vous valez, où vous mettez les pieds. On retrouve ici la femme, peut-être vous ou par rapport à cette femme-là. On peut retrouver l'énergie de la patience également avec vous-même par rapport à cette notion de pouvoir se réconcilier, de guérir son cœur, de se revaloriser pour les célibataires, de se reprendre en considération, de se dire que vous avez votre place, qu'il y a quelqu'un pour vous qui peut compter, que vous pourriez tomber sur une bonne personne pour l'amour et cheminer ensemble. Il est clair que dans ce tirage-là, on va parler également de retour. On va parler, bien sûr, de renouer avec une personne et de pouvoir mettre les choses au clair pour savoir si oui ou non vous continuez. Parce qu'il y a quand même des choses qui restent dans le flou ici. Ça me parle d'incertitude, peut-être de peur, de blocage dans les émotions, dans l'émotionnel qui fait que vous ouvrez une porte, mais pas totalement. Vous pourriez faire preuve de patience pour laisser le temps au temps par rapport à cette personne. Signe de réconciliation avec vous-même, on voit qu'il y a encore des choses à travailler. On l'a vu dans le domaine de la spiritualité où vous reconsidérez, vous revalorisez. Peut-être que ça prend du temps, plus que prévu, mais c'est sur la voie de l'action. Vous êtes en mouvement. Le mouvement crée la solution pour vous, les lions. Émotionnellement, il y aura une satisfaction, un bonheur, un épanouissement. Cette notion de surprise également sur votre route qui va vous réjouir à un moment donné. Sur les énergies extérieures, nous avons bien quelqu'un qui s'ouvre à vous, puisque la carte des voyages ainsi est propice à l'entourage. Et on voit que s'il y a quelqu'un qui s'approche de vous, vous l'écoutez, vous le regardez, mais vous voulez faire preuve de patience parce que vous avez envie de garder les yeux bien grands ouverts et ne pas retomber dans une certaine illusion. Ce qu'il faudra travailler, c'est lâcher prise, c'est la légèreté, c'est prendre de la hauteur, c'est également savoir relâcher la pression. C'est une période du printemps également qui peut nous dire qu'il y a encore des choses à travailler, mais qui vont pouvoir se décanter sur la période de l'été. Votre atout, c'est de savoir rester dans la discrétion. Et oui, parfois c'est positif. Votre atout, c'est de savoir rester... De ne pas trop dévoiler, de ne pas montrer à la personne en face. De rester un petit peu absent, pour pouvoir justement comprendre la personne en face. Voilà comment je ressentais pour vous les choses, les lions. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.